une adresse. Nous allons vous les remettre ici par votre occasion également. Vous allez nous autoriser à ce que nous parlions par devant vous d'une manière directe et ça sera aussi une des bonnes choses. Monsieur le Président Eli et candidat président de la République, à l'occasion de votre visite à Lissala pour la campagne électorale en prélude de la présidentielle de décembre 2023, nous, étudiants, qui soutenons votre vision, vous souhaitons la bienvenue dans la ville qui vous avait élu massivement en 2018. Merci beaucoup. Ce manifeste-là est réparti en quatre catégories. Je veux dire, la première, c'est ce que nous appelons le prérequis. J'ai expliqué hier le préalable ou les quatre murs de fondation d'un immeuble. Deuxième catégorie, ce sont les priorités. Qu'est-ce que nous allons avoir comme priorité pendant notre mandat. Troisièmement, ce sont les autres challenges, les autres défis qui concernent la famille, la femme, la personne vivant avec handicap, l'identité culturelle congolaise, et ainsi de suite. Et dernière catégorie, ce sont les réformes institutionnelles dont nous avons besoin pour développer ces pays. Donc, voilà, hier, ce que j'ai développé dans ces documents, les manifestes des Kisangani. Hier, je vous offre ces documents pourvu que nous les lisions afin de connaître exactement votre vision à l'intérieur. Et aussi, parce que vous avez parlé de l'intégrité territoriale de notre pays, je sais que cette bataille n'est pas assez difficile parce que nous, peuple, qui élisons, nous sommes dans l'obligation de faire un choix judiciaire pourvu que le Congo aille de l'avant. Je sais que cette législative, votre victoire qui a été volée, vous sera donnée. Et je sais que vous allez en tenir compte. Merci beaucoup.